Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle rubrique qui se nomme les défis de Folligraph Addict. Et cette série commence par les défis relevés par Lisandre. Donc elle s'est donnée à fond dans cette épreuve et je pense que on pourra que admirer son courage. Et puis, que vous dire d'autre? Donc, au cours de cette vidéo, effectivement, nous sommes restés complètement entières et comme on est dans la vie de tous les jours. Donc, ne prenez pas peur et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Hey, 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 ça y est. Alors, que je vous explique un peu comment va se dérouler cette soirée. Donc, j'ai pris le temps de collecter tous les petits défis déposés par les membres sur le forum. Je les ai rédigés sur une petite feuille qui est visible via Instagram ou via les réseaux sociaux Facebook. Ce qui se passe, donc j'ai numéroté tous ces défis de 1 à 8. Et puis je vais proposer donc à Lisandre de lancer un dé virtuel sur un site trouvé sur le net. Et puis eh bien, elle relèvera le défi qui correspondra à ce numéro. Voilà, donc tout le long de cette vidéo, il ne va pas y avoir de tricherie, c'est-à-dire que vous allez tout voir de A à Z. Et puis voilà, allez, suivez-moi. Allez, on y va. Ça y est, c'est bon, ça enregistre, donc tu peux y aller. Eh ben, un. Alors, le numéro 1, c'est Eria. Alors, Eria, qu'est-ce qu'elle me fait? Et elle te dit de faire une... Alors, je crois qu'elle a pas précisé bannière ou avatar ou j'en sais rien. Ouais. Sans stock, sans texture. Juste le... Qu'on appelle ça? D'accord, juste image de base. Voilà. Donc, sans stock et sans texture, ça veut dire juste avec le render, on est d'accord? Exactement, et tu te débrouilles okay. Avec ça. Et le render, je prends ce que je veux. Bah oui, parce que... Attends, je vais aller vérifier. Elle me l'a envoyé par MP. Non, parce que si je prends ce que je veux, je commence à chercher, moi, tu sais. Non, mais tu dois bien avoir des stocks. Tu prends non, mais faut pas... Elle a dit sans stock, sans render. Oui, sans, bah, un stock, sans texture. Je veux dire un stock render. Ben oui, j'en ai des renders. J'en ai 15 000 des renders. Alors, où est-elle, Eria? Où est-elle? Non, on peut mixer plusieurs renders? Oui. C'est pas précisé, hein? Non, c'est pas précisé. Alors... Je suis vilaine. Non, elle a rien précisé. Elle a rien précisé, donc tu fais ce que tu veux. Mm-hmm. Alors. Enfin, je trouve un render qui pète, qui me donne envie de graffer, quoi. Et si tu le fais pas trop lentement, il y a moyen qu'on se fasse un autre défi plus rigolo. Ah oui, non, mais ça va être rapide, ça, c'est le truc basique, j'ai envie de dire, donc... ça, c'est le truc que je faisais avant de graffer, donc... Pardon. Mais non, mais c'est vrai, au début, quand je graffais du manga, je prenais pas de stock, c'était que le... Ah oui, mais alors, attends, moi, je vais poser une autre contrainte. Il faut quand même que ça soit un minimum travaillé, que tu nous fasses pas une bannière d'exercice. Ah ouais, non, mais attends, vas-y. Dis qu'une fois dans ta vie, t'as vu un grave bidouillé de ma part. Un truc pourri, quoi. Non. Te plaît, quoi. Oh. Vas-y, elle me connaît en plus. Non, non, mais bon, à préciser, si jamais. Ah là 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 là, je te... Alors. Donc. Alors, attends, par contre, je sais pas comment on fait partir ce putain de bande de noir de Skype là. Donc tu peux y aller. Et ben c'est parti. Tu veux qu'on le fasse façon examen, mademoiselle, vous avez. Non, bon. Oui, bien sûr, ouais. Non, mais t'as 10 minutes pour faire ton truc et puis tu fermes ta bouche et. Non, ça va pas le faire, non. On va essayer de trouver un truc sympa à faire avec un petit render comme ça. Déjà, on va passer. Un chouette petit render. Faut que je commente aussi. Oui, tu peux dire. Alors là, c'est bien. Tu commences très très bien. Là, on sent que t'as des idées. On sent l'inspiration venir là.
Voilà. Non, mais on sent déjà que waouh, oh là tu là. sais où tu vas partir et tout. Alors là, je vois que tu poses ça dans un détail vraiment. Là, c'est travaillé, hein, c'est au millimètre près. Bah, le rendu, il faut qu'il soit quand même acceptable, dirons-nous. Je veux pas décevoir la miss qui m'a donné ce super défi. Ce serait dommage. Donc déjà, hop. Un peu gommé ici aussi. Ah oui, je peux parler en même temps, c'est pas gênant. Hein. Ah non, vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. C'est bien parce que je parle des fois quand je graffe. Tu parles toute seule? Oui. Mais comme ça, les gens ils me prendront bien pour une folle, c'est parfait. Tu fais trop fou. Alors, donc, une fois qu'on a placé à peu près le rendeur, on a notre fond. Ah, ça va ramer, c'est vrai. Tu as un Photoshop qui rame ou un ordinateur? Non, non, c'est quand je mets le partage d'écran en général, ça fait bugger sévère. Mais quel honneur j'ai de te voir graffer, dis donc. Ah, c'est pas drôle. Profite pas, profite pas, profite pas. J'ai le droit à un cours particulier, tu te rends pas compte. Bon, un cours particulier, t'en as pas besoin, toi. Toi, t'es the boss, toi. Non, non, mais n'importe quoi, genre. Non, on va pas faire ça. Ah, si, si, carrément, attends. Oh, oui, c'est ça, oui. Moi, je préfère moi, tes bannières. Moi, je kiffe ce que tu fais. Hein. Ouais, mais moi, je préfère tes bannières. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Pourquoi tu aimes bien ce que je fais, quoi. Que veux-tu, c'est la vie. Et pourquoi ça bouge pas? Tiens, on va pas faire comme ça, puisque vu qu'il bug et que ça met 3 heures. Oui, alors excusez-moi, le truc radical, c'est que quand je fais un partage d'écran, en même temps que Skype, mon Photoshop rame. Mais un truc, ma peau. Ça a tendance à me mettre un peu les nerfs, mais ouais, on va attendre. Oh, punaise. Ah oui, non, mais ça, c'est chiant, en plus, c'est possible, quoi. Je sais plus avec qui j'ai fait un cours il n'y a pas longtemps. Samsa. Ouais. Ah, pareil, bah, ça buguait, c'était chiant. Pff. Ouais. Il faut que tu... Mais je croyais que tu avais pris la dose de café. Ça marche pas pour ton Photoshop? Non. Non, ça marche pas, c'est... Tu remarqueras que je suis réveillée, c'était mal parti. Hein. Oui, oui, je remarque que ça va. Ça a l'air, je suis plutôt surprise. Non, alors... c'est pas ça. Je remets un petit coup. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Hop, voilà. On refait un petit coup de net. Joli travail de... d'optimisation de la netteté de la création. Non, je n'optimise pas là, mais c'est parce non, que c'est juste parce que ça rame, quoi. Et j'ai... pitié, quoi. Non, mais j'essayais de faire un commentaire, tu sais, du style ceux qui commentent le foot, là. Ouais, genre, tu te fous de moi, en plus, quoi. Du tout, j'oserais pas. Tu te fous de moi, en plus. Jamais alors... Je rigole, mais je ne me moque pas. Non, mais je me doute bien, pas de soucis. Je vais juste me servir de ça en fait, mais je sais pas comment je vais m'en servir. Et parce que le but c'est de vraiment optimiser le maximum du render. C'est magique ça. Surtout qu'on a le plaisir d'avoir des renders très fleuris, très. Donc on va essayer. Tu nous as fait une petite nostalgie de l'été passé? Ouais, voilà, c'est la fin de l'été. Oh, ceci dit, hein, avec la rousseur des cheveux, ça fait automne aussi. Je vais même, tu vois, je vais même faire autre chose, carrément un peu ouf. Ouais, un truc de malade, comme dit mon mari, un truc de ouf, quoi. Un truc, mais oh, mais comment elle est trop tarée, quoi. Ouais, je sais, mais ça te fait rire. Hein. Tout à fait. Je suis folle, hein. Attends, on va le faire autrement parce que ça va pas passer comme ça. On va essayer de faire un truc sympa. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi je te le dis.
Faut que je les aime, hein, les gens qui me donnent des défis comme ça, hein. Sinon je les ferai pas. Hein. Attends, t'as pas vu les miens encore. Déjà, on fait pas des trucs comme ça. Balance pas. Ah mince, c'est pas le bon. Balance pas les trucs comme ça parce que déjà, tu me fais peur. Du tout. Ça va être encore le truc à l'arrache. Oui, alors tu fais un truc en 5 minutes. Je plains ceux qui vont regarder la vidéo à nous entendre, enfin du moins surtout moi, m'entendre rire comme une belette, ça va être sympa. Comme une belette, ah j'ai kiffé. Ouais, tu ris comme une belette. Ah putain, celle-là je la garde. Bon, on va faire comme ça. Alors. Excuse-moi. Non mais je t'en prie, vas-y, hein, lâche-toi, ça fait du bien en plus ah de ouais, rire. Ouais, après une journée comme ça, ça fait du bien. Donc, on a ça, on a le visage à côté qui peut être sympa. On va le garder parce que j'aime bien le principe du visage qui est reporté. Ça a bien un petit peu le fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va tester un petit truc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais test. Ça te fait rire. Hein. Tout à fait. Il viendra un jour où ça se trouve, ça sera moi. Les rôles seront inversés. Mais j'espère bien que ça va être toi, tu vois. Tu vas morfler là, je t'assure. Voilà. C'est pour ça que je veux que tu me dises comment tu fais les films. Parce que le jour où ça sera toi, mais ma pauvre, voilà. Je régale. Je sais pas si je vais t'apprendre alors. Elle régale. Alors, du coup. Ceci dit, je peux t'apprendre aussi After Effects si tu veux. Si ça te branche ou pas, je ne sais pas. Ouais, non, mais je vais toucher un peu tout en fait. Donc oui. Oui, oui, ça non, me dit. Non pas que je sois experte en After Effects, mais. Deux, trois petites astuces. Ah, moi, je dis pas non, tu sais. Moi, je dis pas non du tout. Ah, ça donne un petit effet, j'aime bien quand ça fait des effets comme ça. Ah, ça pète. Bon, ça pète pas, mais bon, c'est bien. Je sais plus comment ça s'écrit. Eria, c'est A-Y-Eria. Ouais. Eria. Et tu sais, j'ai pas regardé. Alors, tu es à mini pour l'instant, nous en sommes à. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Excuse-moi. D'accord. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas toi. Tu as mis 10 minutes pour l'instant. Oui, mais ça c'est. Moi je dis pour l'instant, bien, bon rendement. Je tente. Je tente. On va essayer. Alors, le plus chiant après, c'est d'arriver à mettre en valeur un peu tout ça. Défi foligraphe. Pourquoi c'est un S que j'ai mis? Je sais pas ce que c'est. Il y a un souci. Ah, il y a un truc qui n'allait pas au bout. Comme ça. Ensuite, parce que j'aime bien mettre un petit peu des effets. Donc, on va essayer de travailler un petit peu la typo parce qu'on leur dit quand même aux élèves, il faut travailler la typo. Si j'arrive et que sur mon truc, je leur montre un truc où il n'y a pas la typo travaillée, je pense qu'ils vont un petit tu peu m'arracher. Tu vas te faire jeter après. Ah ouais, il y a moyen. Il y a moyen qui me disent, on va se foutre de ma gueule là. Non, mais elle se fout de moi quoi. Mais non, je ne me fous pas de vous. Non. Il faut travailler la typo. Regardez, je travaille la typo. Bien. Ils vont se rendre compte que je suis folle, tu crois? Mais je crois qu'ils vont se rendre compte que les deux sont folles. Putain, ils vont se rendre compte qu'on est pareil, c'est ça qu'ils vont le faire. Ça va faire. En fait, ils vont avoir peur là. Oh punaise. Faire, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Mais non. Oh punaise. Alors, hop, on va faire un petit arrondi. Là, tu te dis qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je me doute de ce que tu fais. C'est vrai? Oui. C'est pas juste. J'aime bien avoir un petit effet de surprise. Bon, je me doute pas de ce que tu fais.
Non, c'est trop tard. Mince alors. C'est trop tard. C'est loupé. Zut. L'effet est loupé. Zut. Non, mais le prochain effet, je me doute pas par contre de ce que tu vas faire. De ce que je suis en train de faire là ou... le proche... Non, non, le prochain que tu feras. Ah, gna gna, t'es maligne, tiens, allez. C'est quoi cet accent? Gna gna gna, tu te fous de moi en plus. Non, mais attends, mais. Oh, punaise. Et mais vraiment, ils vont prendre peur, c'est un truc de fou. Hein. Mais non, ça va être drôle pour eux. On dirait, attends, elles sont super, elles sont déjantées, tout ce qu'on aime. Hop, hop, hop. Nanana. Ah oui, je chante des fois, ça m'arrive aussi. Alors, ça fait ça. Plop, plop, plop. Ça, je. Tac, superposition. Pourquoi ça veut pas marcher comme je veux? C'était pas assez. C'était pas assez blanc. On va agrandir le blanc. Ouais, faut que ça se voie quand même. Attends, mince. Je fais du travail. Il se voit pas. Ça se voit là. Oui, oui, ça se voit. Se voit. Oui, petit, ça se petit voit. Truc hyper sympa là. Oui, oui, oui. Un petit effet. Voilà. Ensuite, on va foutre un petit peu de lumière derrière parce que je suis une fana de la lumière. Une fada. je suis en train de péter un câble, chérie. Enferme-moi, je suis en train de péter un câble. Oh punaise. Désolée. Tout va bien, tout va bien. Ah mince, c'est pas le bon. Qu'est-ce pardon. Que tu nous fais? Alors, non, non, monsieur, non, mais rien. Je n'ai rien fait. Je suis. Ouais, ça, c'est la classe. Non, c'est pas la classe, sérieux. Ça prend forme. Excuse-moi. Ensuite. Ah oui, c'est la classe. Bois, t'as raison. Tu parles trop. De quoi je parle trop? J'étais en trop. Train de boire. Je pouvais pas te répondre de suite. Je précise pour ceux qui regarderont la vidéo que je ne me soupe pas, je bois juste de l'eau, tout va bien. C'est ce qu'elle dit. Ah la saloperie. À vous que là tu suis une saloperie là. À vous. No comment. Parce que moi je sais la vérité. Non, elle dit, je bois de l'eau, je vous rassure, je ne bois pas, voilà, elle se saoule pas. Moi, je sais la vérité. Mais de l'Oriane, elle est en train de faire la compte depuis tout à l'heure. Ah, l'alcool n'excuse pas tout, je suis d'accord, chérie, je suis complètement d'accord avec toi. Je plus sois. C'est génial. Comment tu dois me haïr là, à vous, à vous. Non, ça va, je le gère plutôt bien. Mais vive la réputation. Mais non, la réputation, c'est rien. C'est que dalle. Oh là là. Ça va peut-être un petit peu... En attendant, je prends note que ta créa est plutôt sympathique. Elle prend forme, hein. Elle prend forme. Ah, t'as vu, hein, je fais pas mine avec des... de rien et tout, tu sais où tu vas, hein. Ben, en général, quand je vois un rendeur, c'est ce que j'explique à la plupart des personnes à qui je fais un petit cours marrant, parce que ça m'arrive. Hein. Quand je vois le rendeur, je sais d'entrée de jeu ce que je vais en faire. C'est pour ça qu'en général, je ne travaille que quand je suis inspirée. Très bien. Quand je ne suis pas inspirée, ça ne vaut pas le coup. En fait, je ne vais pas prendre du rose parce que je vois que ça fait un peu trop unicolore et j'aime pas. Donc, je vais mettre un peu de folie dans cette créa. Un peu de folie. Très bien. On va mettre de la folie. On va prendre un bleu, je pense. Et tu vas me dire, ah, putain, un bleu, elle est folle. Attends, elle part sur du violet, du rose, à mettre du bleu, quoi. Non, et par contre, je note qu'il y avait du violet. Alors ça, j'ai vu de suite. Hein. Le violet, ça, je m'y attendais. Ah ben, marque de fabrique, hein. Bon, faut pas renier ses origines, quoi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Faut pas renier ses origines. Donc, nous avons ça qu'on va mettre en produit, qu'on va baisser à 50%. On va gommer un petit peu. Voilà. Et nous allons créer une petite source de lumière. Que la lumière soit.
Que nous allons créer par contre dans un petit blanc rose. En 300. 300, ça fait trop. En 200. Voilà. Option de fusion. Toc, toc, toc. Incrustation, ça va faire trop. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, hein. T'es une grande malade. Moi, non, mais je suis pas malade. Pourquoi tu dis des choses comme ça, toi, t'es fou. On va très bien, ouais, ouais. Ah. Non, non, mais moi, je me sens mais parfaitement bien, moi. Moi, tout à fait aussi, je crois que je suis en train de couver une grande grippe, mais tout va bien. Ah bah tiens, mon chéri, il fait une angine. Ah, nickel. Écoute, alors. Moi, je crois que je vais prendre des cours auprès de toi. Je vois pas pourquoi, mais c'est... franchement, ça me touche comme tu imagines même pas, mais franchement, je comprends pas. Parce que si tu, mais si tu voyais comment je travaille, ma pauvre, tu serais morte de rire. Pourquoi ? Je suis bordélique sans nom quand je fais une créa, c'est pas possible. Oui, non, mais... Quand je te vois faire, ça fait tchac, 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 hop, j'y vais, tac, 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 il s'est fait. Parce que je t'ai dit, c'est... non, c'est pas le bon. C'est juste que... quand tu sais où tu vas, en général, tu as moins de difficultés à faire un graphe que... T'arrêtes de dire des conneries, Damien, sérieux. C'est de la logique. Chiant, c'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça avec lui à côté, sérieusement? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Sors ta connerie, t'es content. Non, vous l'entendez pas, mais il est en train de dire des conneries, c'est pour ça. Non, c'est tout à fait cohérent. Oui, oui, c'est cohérent. Quand tu sais où tu vas, tu sais où tu vas. Quel chemin prendre. Non mais ça va, je me fous de toi, Damien. Alors, oh là là. Moi, ceci dit, je dis tous les chemins mènent à Rome, donc c'est pour ça que moi j'y vais à la one again. Exactement, voilà. Tous les chemins mènent à Rome. Quand je fais ma créa, c'est... Je pars de... dans tous les sens. Moi, en général, je pars pas trop dans tous les sens, mais c'est parce que je suis quelqu'un qui est très... voilà. Quoi ? Il est en train de se foutre de moi, c'est pas drôle. Comment je peux graffer avec un gars qui se fout de moi derrière, quoi? Et c'est un défi, on a dit, hein, que tu fais là. Oui, bah oui, je relève le défi. N'est-ce pas? Ça te fait un défi supplémentaire. Pourquoi il est pas relevé? Non, non, je dis juste que graffer à côté de quelqu'un qui se moque de toi, c'est un défi. Ah, qui est chiant, c'est même pas se moquer, c'est juste être chiant. Voilà, il est chiant. Et on s'y fait, hein. Non, mais après ça, je me permettrai pas de le dire, par contre. Ah, mais moi, je me permets, hein. Ouais, je me permets. Hein, si... je sais pas encore si je le laisse en blanc ou si. Hein, non. Ou si je mets de la couleur, c'est ce que j'allais dire. Rouge, c'est un peu particulier. Non, 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 je vais pas partir sur du rouge, peut-être un violet ou. Ah, mais un violet, mais, c'est... mais bien sûr. Bah, violet rose, tu prends les couleurs qu'il y a sur ton. Non, ça c'est dit, j'aime bien comme ça. Alors, ou je fais un violet ou je fais un blanc. Un violet, ça donne mieux, je trouve. Ouais, hein. Moi, je préfère. Ça fait plus ressortir. Et je vais mettre ma petite touche perso. Mais fais-toi plaisir. Comme ça, ça va clôturer la petite, le petit début. Hein, le petit début de notre superbe création en 15 minutes chrono. Tu es à 20 minutes. Hein, 15 minutes chrono, ça ne va pas. Ouais, 20 minutes. Allez, excusez-moi, 20 minutes. On va pas chipoter. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas planter au moment de compiler la vidéo, parce que alors là, je... Non, mais là, je crois que je te... Tu me crois, heureusement que je suis à quelques kilomètres de chez toi, parce que... Exactement, mais j'ai envie de dire exactement, quoi. Tu as tout à fait compris le principe. Heureusement que tu es à quelques kilomètres de chez moi. Exactement. Ensuite... Je me sens bien chez moi, là, à cet instant précis. Tu m'étonnes. Non, parce que alors là, pou, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. De quoi? Non, mais elle boit pas. Non. D'accord, d'accord, d'accord. Mais je me sens que cette soirée va être sympathique.
Là, si il s'y met, c'est mal barré, mon chéri. On s'excuse d'avance auprès de tous ceux qui regarderont la vidéo, n'est-ce pas? Non, on s'excuse pas, en fait. Non, on s'excuse plus, maintenant. J'ai envie de dire, on tape un délire, on assume jusqu'au bout. Eh mais si le graphe, c'est censé être fun, là, vous avez du fun, là, y a pas de problème. Hein. C'est ce que j'ai dit, plus de fun sur la vidéo, j'ai marqué. Ah ben là, tu pourras pas faire mieux, quoi, j'ai envie de dire. Ah bon, ouais. Oh la vache, je suis en train de prendre une suée. Hein. C'est charmant. Qu'est-ce que tu dis? Allez, j'ai signé, je me sens prête, j'enregistre. Oh putain, il a fait 207 quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, ça dépassera un peu le poids, ils vont pas. Hein. On va pas tergiverser. Donc, défi et Ria 1. Fait. Ça me paraît pas mal le fait, c'est important. Ou check plutôt. Allez. Check. Attends, c'est à moi de dire si défi est relevé ou pas. Ah bah attends, il n'y a pas de stock. Oui, mais quand même. Il est fait avec un rendeur. Donc, ah, je suis désolée. Moi, je dis défi numéro 1 de R&A, relevé. Je suis contente. Allez, c'est parti. Yeah. Allez, on voit le deuxième, c'est la fête. Attends, on va faire une coupure de vidéo. Hein. On va se prévoir. Vas-y. Un petit temps pause. Et bien voilà, donc ce défi est terminé et je pense que on peut dire que celui-ci a été relevé avec succès. Que dire de plus? Si qu'on peut remercier Eria de nous avoir proposé ce défi. Et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous vous serez amusés avec nous, puisque c'était le but. Et j'espère que vous n'avez pas fui en courant, en nous entendant délirer toutes les deux. Que vous dire d'autre pour conclure? Eh bien que très prochainement, nous vous proposerons le défi numéro 2, qui est un défi, mais alors je vous promets, qui a posé certains problèmes à Lisandre et... Et Maud, si tu passes par là, vraiment, merci, quoi. On a vraiment rigolé. Donc, sur ce, je vous dis à très très vite pour ce deuxième défi. Ciao, ciao !